Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du très grand Charlie Christian au travers d'un de ses superbes solos et donc en profiter pour apprendre quelques-uns de ses magnifiques phrasés. Les plus grands maîtres de la guitare jazz évoquent tous unanimement le génie de Charlie Christian et vous serez surpris d'apprendre que le père de la guitare swing et bebop est mort en fait à l'âge de 25 ans de la tuberculose après une carrière très courte de 1939 à 1941. Charlie Christian a été l'un des pionniers de la guitare amplifiée, instrument auquel ne croyait pas beaucoup le musicien de jazz Benny Goodman, qui l'engagea pourtant à la vue de son immense talent. L'influence la plus importante de Charlie a été le saxophoniste Lester Young, dont il a cherché à imiter les solos en reproduisant les phrasés à la guitare, chose qui était complètement nouvelle à l'époque, puisque l'instrument était cantonné, en tout cas dans la guitare jazz, à un rôle uniquement rythmique. Son jeu mélange des mélodies très rythmées avec des répétitions, des phrases en croche parfois non swingées qui contrastent avec le reste, des longues phrases asymétriques qui dépassent des mesures, ce qui crée des tensions musicales uniques. Tristement, il n'existe pas à ce jour d'enregistrement vidéo de Charlie. Donc ce solo que je vous propose de travailler aujourd'hui, c'est votre ticket d'entrée pour la guitare jazz bebop. Outre sa virtuosité, il est loin d'être impossible à jouer et à mémoriser, au contraire de beaucoup d'autres solos de jazz. Donc le type de phrase que l'on retrouve assez souvent et qui caractérise son jeu, ce sont des gammes qui sont en fait remplies avec des chromatismes. On va prendre par exemple si bémol de rien, sans le chromatisme donc au départ, qui démarre à la sixième case et vous allez jouer donc ça sur un si bémol mineur 7, n'allez pas le jouer comme ceci. Et donc on trouve ce type de phrase où il va remplir le passage en fait où il y a quatre cases. Et là encore, il va remplir ici. Alors il ne va pas le faire linéairement, systématiquement. Je vais maintenant vous jouer ce solo à 80 BPM avec la tablature qui défile. Et ensuite, je vous explique comment ça fonctionne pour que vous puissiez ensuite revenir jouer avec moi. C'est parti. 1, 2, 1 et 2 et 3 et 4. Donc ça se joue avec un fil de swing, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des croches, vous allez faire des croches avec une un petit peu plus longue en triolet de croches. Ça va faire 1 et 2 et 3 et 4. Donc au lieu de faire, vous allez faire. Donc pour avoir le son le plus doux possible, je vais essayer d'utiliser un médiator relativement épais. Ça va démarrer avec le doigt numéro 1 à la quatrième case corde de si, donc sur un mi bémol. Cette première phrase, donc sur un la majeur 7, un la bémol majeur 7, ça va être en fait une gamme majeure pentatonique, la bémol majeure pentatonique qui se joue comme ceci. Vous allez essayer d'utiliser le moins possible le petit doigt dans ce morceau. En fait, pour avoir plus de toucher, on va essayer de l'utiliser le moins possible, utiliser le plus possible le doigt numéro 3. Donc 6, 4, 5, 6. Et là, on va arriver donc sur le si diminué. Je le joue à 3 doigts comme ceci. Enchaîne. Le si bémol mineur 7, en
Ensuite, on va enchaîner avec cette phrase sur le Mi bémol 7. Donc, je vais jouer comme ceci en fait. Sur 4 cordes. Et donc ça va être un espèce de Mi bémol 13 en arpège amené par un chromatisme. Donc là, pour ce chromatisme, je vais être obligé d'utiliser le petit doigt pour avoir plus de fluidité. Huitième case avec le petit doigt. Et ensuite, je vais essayer de prendre le doigt numéro 1 et 2 à la sixième case pour ne pas avoir un son de demi-barré en accord. On essaye d'avoir les notes qui se séparent bien. 8, 6, 4, 5, 6. Et donc le Do pour résoudre sur le La bémol majeur 7. Et il le répète. Il répète beaucoup les mêmes formes. Hein. Ensuite. Donc ça va être sur le Si diminué. Avec un petit slide amené à la 7ème case. 6, 6, 5. Ensuite, un petit arpège qui va correspondre à un Si bémol mineur. Et donc, il revient ensuite sur le Mi bémol 7. Ici, ça va être la quinte. Petite phrase sur le La majeur, sur le La bémol majeur, 7. Donc là, en fait, je vais jouer avec le doigt numéro 1, 2, 1, 3, et ensuite le doigt numéro 3. La logique, ça voudrait être avec le petit doigt, mais ça va me bloquer rapidement, donc je préfère sauter un petit peu. 8, 7, 7, 6, 6, doigt du milieu, 7. 8, 7, 6. Donc le petit chromatisme. Vous libérez le doigt numéro 2 pour la sixième case. 6, 6. Doigt numéro 3. 8, 7, 6. Donc ce petit chromatisme. Sont joués autour du La bémol majeur 7. Même si en fond on a quand même le Ré bémol majeur 7. Ensuite, il va prendre en avance donc, le Si bémol 7ème. Donc, la mesure d'avant, il démarre avec ce petit arpège qui est le Si bémol 7. Et là, il va jouer en fait des chromatismes. Il va suivre l'arpège et remplir avec ses chromatismes. Alors, la fin de l'arpège, ça, c'est un Ré mineur 7 demi-diminué. Ça sonne super bien, cet arpège de Ré demi-diminué ou mineur 7 quinte B sur le Si bémol 7ème. Donc là, on a la 6ème case, le Si bémol 7. Et là, vous allez jouer votre arpège. Donc ça peut être quelque chose à retenir. Sauf que lui, il va le jouer vraiment avec un doigté différent. Alors la phrase, elle est en triolet celle-là, elle est intéressante. Elle va démarrer donc sur la mesure précédente, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc là encore, on est sur des motifs asymétriques, c'est-à-dire que ça ne démarre pas la phrase sur le premier temps d'une mesure et ça ne termine pas donc sur le premier temps de la mesure suivante. Ça dépasse toujours un petit peu. Et c'est ce qui fait justement bien cette tension et ce style unique. Donc encore une fois, 6, 7, 6. Ensuite, je vais prendre le doigt 2 et 3. 15, 8, 9. 8, 9, 10. 9, 8, 9. 10, 7. Là, doigt numéro 3. 10, 9, 8, 7.
encore, on ne sait pas exactement comment Charlie Christian, lui, le jouait exactement, puisqu'on n'a pas de vidéo, on n'a que de l'audio. Donc c'est vrai qu'en écoutant bien, on peut faire une interprétation relativement proche de l'original. Et enfin, la dernière partie, donc c'est la partie qui va vous demander le plus de travail, il va falloir la mémoriser. En fait, ça démarre sur la fin du quatrième temps, et ça va faire... Alors celle-là, c'est presque un plat de spaghetti à apprendre. J'appelle ça comme ça quand les motifs n'ont pas vraiment d'ordre très clair et qui sont un petit peu difficiles comme ça à comprendre, ou c'est difficile de leur donner une logique. 8, 7, 6, 5, jusque-là tout va bien, même si au niveau des temps, on ne suit pas donc un premier temps où ça commencerait directement avec la 8e case. Donc ça, c'est une phrase de mi bémol bebop. Le bebop scale, c'est une gamme mixolydienne avec une majeure 7. Ça, c'est votre gamme mixolydienne. Et voici la 7e majeure. Cela, elle vaut le coup de la prendre. Et il va la jouer donc sur mi bémol 7, sauf que ce premier accord, eh bien, c'est le si bémol mineur 7. Ce qui fonctionne. Donc, au niveau des doigtés, on va avoir 8, 7, 6, 5, 8, 6 avec le doigt numéro 1. 8, 6, 8, 7, 6, 8. 6, 8, 6, 8, 6. Donc cette petite phrase, elle a une petite logique. 6, 8, 6, 8, 6. 8, 7, 6, 8. 6, 8, 6. Vous êtes obligé d'utiliser le doigt numéro 1 pour revenir. Donc là encore, on a la forme précédente, mais jouée à l'envers. Au lieu de faire, on a... Là encore, ça va être à vous de trouver votre propre logique. 6, donc alors, j'étais avec le doigt numéro 1. 6, 6, 8, 6, 8, 6, 6, 8, 7, 6, 5, 6. Donc ça, il faut vraiment l'apprendre par cœur si vous voulez le jouer vite. Essayez de travailler ça lentement, apprenez les formes qui correspondent le mieux à vos doigtés. Et ensuite, une fois que vous l'avez appris, eh bien, vous retournez au début de la vidéo et vous allez le jouer avec moi. Si besoin, eh bien, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de lecture pour pouvoir le jouer un petit peu plus facilement. Vous trouverez les tablatures donc, à la fin de cette vidéo pour tout le monde. Et pour les tipeurs que je tiens à remercier, eh bien, vous les aurez en PDF et en format Guitar Pro. Merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Roue Guitare. Voilà donc pour aujourd'hui, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, je vous retrouve le plus vite possible pour une prochaine vidéo guitare. Bye bye.